pris en compte, et ça j'ai adoré, les remarques qu'on m'a fait, les commentaires qu'on m'a fait sur mes précédentes vidéos. Voilà, donc logiquement le son cette fois-ci ça va être bon, je vais éviter de dire des voilà à tout va. Je vais aussi donner des explications un petit peu plus techniques, pardon, pour reprendre les bases de la photo. On va parler ISO, on va parler ouverture et on va parler vitesse d'obturation. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous emmène dans un magnifique endroit, tout simplement à la découverte, voilà, de ceci, qui est un château cathare dans la ville de Sessac. Et grosso modo, aujourd'hui, pour moi, l'objectif, ça va être de faire des photos de mouvements volontaires de caméra pour avoir des effets un petit peu de flouté, de photos abstraits. Et donc, je me suis dit que c'était aussi le moment de revoir certaines choses, certaines bases, donc les ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, des choses que vous pouvez m'entendre dire dans mes vlogs. Et au moins, à partir de maintenant, à l'avenir, vous saurez un petit peu plus quel impact ça a sur les photos lorsque je vous dis les réglages que je fais en tel moment. Voilà, donc bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Ça c'est sympa parce que j'en ai un petit peu besoin puisque depuis tout à l'heure je fais vraiment le tour du village pour déjà le découvrir parce qu'il est très intéressant. Il y a énormément de bruit d'eau. En fait il est parcouru par plein de petits ruisseaux et c'est vraiment sympathique à l'oreille. Et il y a même une cascade qui sort vraiment du dessous du village, donc ça c'est sympathique. En tout cas, pour revenir sur les réglages d'appareil photo, lorsque je parle d'ISO, tout simplement, c'est la sensibilité un petit peu du capteur de l'appareil photo. En fait, ce qui se passe, ça va être un petit peu comme votre œil. Lorsque vous êtes dans un endroit ombragé, il s'habitue à la sensibilité, en tout cas, il s'habitue à la luminosité de l'ensemble. Et si vous sortez d'un seul coup dans un endroit beaucoup plus exposé, beaucoup plus lumineux, votre œil va avoir un choc, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il va être très sensible à la lumière soudaine. Et en fait, lorsqu'on modifie les ISO sur son appareil photo, en fait, on lui indique juste de devenir de plus en plus sensible à la lumière. Ce qui veut dire que lorsqu'on a énormément de luminosité, on peut se permettre d'avoir une sensibilité très basse, des ISO très bas. Et par contre, quand on manque de lumière, on peut augmenter la sensibilité pour pouvoir réussir à capter l'environnement lors de la prise de vue. Alors concernant l'ouverture, en fait, c'est la quantité de lumière que vous allez laisser passer au travers de votre objectif. C'est vraiment une espèce de diaphragme qui va s'ouvrir ou se fermer au sein de chacun de vos objectifs et qui va permettre de laisser plus ou moins de lumière passer à travers, voilà, ce trou plus ou moins grand. L'avantage majeur de jouer avec le diaphragme, c'est que vous allez pouvoir jouer avec votre profondeur de champ, c'est-à-dire faire en sorte que votre arrière-plan et votre premier plan soient soit complètement nets, comme le sujet, ou alors justement, ça va vous donner la possibilité de faire ressortir votre sujet en créant un flou d'avant-plan et un flou d'arrière-plan. Si je suis avec une ouverture très élevée, par exemple f14, on va avoir un arrière-plan très net. Par contre, si j'étais amené à diminuer cette ouverture, à l'emmener par exemple vers 2.8 ou 1.4, et bien là, tout simplement, mon sujet, l'endroit où je fais ma mise en point va rester net. Par contre, tout l'environnement va devenir très flou. Et ça, c'est vraiment bien pour jouer sur la profondeur de champ. Concernant la vitesse d'obturation, eh bien c'est tout simplement le temps que vous allez laisser à la lumière pour venir s'imprégner sur le capteur de votre appareil photo. En gros, ça va vous permettre de jouer sur des systèmes de mouvement. Et là justement, dans ce vlog, on va le voir un petit peu plus tard. Si je veux figer les choses, par exemple une moto qui passerait très vite devant moi et que je veux absolument tout figer, la moto, l'arrière-plan, tu vas avoir une vitesse d'obturation très rapide. Ça fait faire plac-clac. Voilà, ça va être très très sec. Par contre, si je veux me permettre un mouvement de suivi de mon appareil photo sur le sujet qui est la moto et conserver pour le coup la moto complètement nette, mais par contre avoir des effets de filet derrière la moto, de flou derrière la moto, mais des flous de mouvement, à ce moment-là, je vais faire en sorte que mon temps d'exposition soit relativement long. Ça va permettre vraiment de suivre le sujet, de bouger et de flouter l'arrière-plan. En gros, ça va faire j'ouvre et je referme. Et à ce moment-là, si vous suivez bien votre sujet, vous allez avoir un sujet net, mais tout un mouvement sur le décor environnement, que ce soit le premier plan ou même l'arrière-plan. Et c'est là que ça devient intéressant de faire des photos en manuel, parce que vous commencez réellement à décider du rendu final de vos photos. Dans ce vlog, on va voir justement comment je joue avec mes ISO et ma vitesse d'obturation
pour vraiment faire ce que je projette dans ma tête, c'est-à-dire des photos complètement floues en termes de mouvement, mais pourtant qui vont quand même capturer l'ambiance générale du décor que je vais avoir devant moi. Donc pour cela, je vais tout simplement avoir un ISO bas, je vais fermer mon ouverture pour laisser très peu de lumière passer dans mon objectif, et à ce moment-là, donc pour revenir à une exposition normale, je vais devoir augmenter le temps d'exposition, donc laisser un certain temps la lumière venir sur mon capteur d'appareil photo pour pouvoir, on va dire, imprimer quelque chose sur celui-ci. Voilà, et donc maintenant qu'on vient de revoir ces bases très succinctement, on va passer pour moi à l'exercice pratique. Donc comme je vous l'ai dit, des ISO très bas, un diaphragme relativement fermé qui va m'obliger justement à avoir un temps d'exposition assez long pour permettre, voilà, lorsque je vais faire des mouvements de caméra, d'avoir ces flous qui vont se créer, voilà, lorsque je vais avoir ma photo au final sur mon capteur. Alors je suis ravi, parce que déjà le lieu, il est juste splendide, voilà, je le découvre en même temps que vous, il est juste splendide. Je viens de discuter avec les personnes de l'accueil qui sont en charge des visites et de l'accès au château, et je leur ai expliqué un petit peu le projet que j'avais sur les châteaux cathares dans les mois qui viennent. Ils semblent emballés, ils m'ont laissé l'opportunité déjà dès ce soir de faire des photos, même si voilà, tout simplement l'accès visiteur va fermer dans même pas 5 minutes maintenant. Donc déjà, super ouverture d'esprit, donc ça c'est vraiment vraiment génial. J'avais déjà fait des demandes d'autorisation sur d'autres châteaux cathares et ils les avaient acceptés, je ne m'étais pas encore penché sur celui-là, je suis venu un petit peu comme ça sur un coup de tête. Et les gens sont emballés par le travail que je peux faire et justement le type de rendu que je vais être amené à faire, qui n'est pas forcément le rendu habituel comme vous allez pouvoir le voir dans ce vlog. Donc là je vais m'installer, je vais faire mes premiers réglages, faire mes premières tentatives. Donc une fois de plus, je vais faire toute une série de photos assez abstraites, plus ou moins floues. Je vais jouer sur mon temps d'exposition, je vais jouer sur le type de mouvement que je vais faire, soit d'avant en arrière, soit en faisant des rotations de poignet, pour avoir énormément, énormément de matière. Voilà. Ce qui est assez intéressant dans cette technique, c'est que lorsque vous êtes sur place, vous ne savez vraiment pas réellement l'image à laquelle vous allez aboutir. Vous allez juste créer de la matière, de la matière, de la matière, et ensuite c'est dans Lightroom et Photoshop, en fusionnant certaines images les unes par rapport aux autres, en gardant ou en enlevant certaines parties, qu'on va avoir, voilà, un mélange pour réussir à avoir quelque chose de plus ou moins abstrait. Donc là c'est purement ma sensibilité, ma vision des choses qui va s'exprimer. En tout cas, lorsque vous allez voir le résultat, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et même à lâcher un petit pouce qui pointe vers le haut si vous appréciez ce vlog, mon travail, et même si vous êtes intéressé par la suite de mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi, je prends mes premières photos et puis on va tout simplement regarder ce que ça donne. Et bien voilà, alors ce qui est assez frustrant dans cette technique, c'est que vous avez toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas avoir créé suffisamment de matière pour ensuite pouvoir additionner, mélanger, mixer tout ça pour aboutir, on va dire, à une œuvre sympathique. Lorsque vous faites des photos, on va dire, plus classiques, dès la prise de vue, vous savez si le résultat touche à son but ou pas. Voilà, mais là par contre, clairement, on avance dans le flou plus le plus total, comme le flou des photos en fait qui sont créées.
Donc c'est un peu frustrant parce que vraiment j'ai l'impression de ne pas en faire suffisamment. En tout cas là moi maintenant je vais me basculer sur l'autre côté de la crête parce qu'on m'a parlé d'un point de vue qui était fort sympathique et potentiellement je me dis vu que je suis dans le coin autant peut-être basculer vers des photos entre guillemets plus classiques et faire un petit coucher de soleil sympathique, on verra bien. Alors voilà, c'était juste à côté, vraiment juste à côté. En plus, c'était bien fléché, panorama. Alors le panorama est intéressant. Par contre là, pour mes photos, bah, en fait, on a le château Cathare qui va pas forcément se détacher du fond. Voilà, parce qu'il est sur la forêt, puisque là, on est en plongée. Par rapport à ce que j'ai pu dire à un moment donné, si j'ai gardé ce morceau-là dans le vlog, et bah, je disais que je cherchais plutôt des vues en contre-plongée. Voilà, c'est pas grave, ça pourrait peut-être servir à une autre saison, avec par exemple un arrière-plan gelé, tout blanc, bah, ça pourrait créer un bon contraste et donc à ce moment-là détacher le château de son arrière-plan, ce qui serait sympa. Je vais en profiter tout simplement bah, pour conclure ce vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. Ça a peut-être été un petit peu le bordel parce qu'une fois que je suis arrivé sur mon sujet, et bah, je me suis un petit peu emballé, j'aurais tendance à dire. Donc j'espère avoir réussi à garder la ligne directrice de ce vlog. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir ce vlog en le partageant, en cliquant sur le petit pouce qui pointe vers le haut et même en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Voilà, questions et commentaires sont les bienvenus, ça va me permettre de rebondir et de créer des vlogs qui répondent à vos questions. Voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici ma prochaine aventure, faites de magnifiques photos et vivez de fantastiques moments. Allez, à très bientôt, au revoir.